Amis Lyon, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 1er au 15 novembre. J'espère que vous allez bien, les Lyons. Donc, c'est une guidance générale hein, qui va parler aux Lyons, ascendant Lyon, signe lunaire Lyon. Ça peut aussi vous parler, bien évidemment. Si vous voulez une guidance qui, voilà, qui vous parle réellement, hein, il suffit de m'envoyer un mail et me demander comment ça se passe avec moi pour une guidance privée. Là, vous êtes sûr que ça va vous parler. Si ça ne vous parle pas, donc dans ce cas-là, avec actuellement, vous laissez tomber, hein. Vous ne prenez pas, ça sera une autre, ça sera pour une autre fois, tout simplement. Vous vous adaptez à la situation pareille, hein, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme. Voilà, quand je vais parler des énergies, voilà, vous vous adaptez à votre situation, je compte sur vous. Je ne pense pas toujours à le faire, c'est pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, on va y aller, hein. J'ai fait les tirages auparavant, comme d'habitude, pour gagner un petit peu de temps. Donc, on va aller voir tous les tirages que je vous ai vus. Et puis, c'est parti, hein, on va y aller. Donc, on me parle que vous avez envie de vous stabiliser, hein, avec quelqu'un qui, voilà, qui vous procure des grands frissons. On me dit aussi que, par contre, ben, vous avez énormément de doutes, hein, par rapport à cette personne, hein. Il y a des blessures en vous, il y a une cicatrice, il y a quelque chose. Pourtant, c'est quelqu'un, voilà, que ça a été pour vous une évidence, ça a été très fort, hein, ça a été une attraction, ça a été très intense. C'est quelqu'un qui vous a sûrement initié à des jeux érotiques. En tout cas, voilà, il y a une grande tentation avec cette personne. Et on voit qu'il y a eu un rapprochement entre vous, hein, en tout cas. Hein, et voilà, il y a eu un grand coup de foudre. Ça a été un bouleversement pour vous. Hein, il y a vraiment eu. Voilà, ça a été une belle rencontre, hein, quelque chose de. Voilà, qui vous a vraiment procuré beaucoup de joie, hein. Ça a été vraiment très fort. On voit que voilà, c'est quelqu'un que vous avez découvert dans l'intimité. On voit que, par contre, maintenant, il y a énormément de tristesse. Peut-être que vous avez été déçu. C'est possible qu'il y a un certain déséquilibre entre vous, quelque chose. Soit il y a une dépendance, alors. Qu'elle soit affective, hein, il y a peut-être une dépendance affective. En tout cas, il y a quelqu'un qui a une addiction, alors que ce soit de la drogue, de l'alcool ou autre, hein, ou une dépendance affective. En tout cas, je pense que vous êtes. C'est quelqu'un qui s'est peut-être mis en retrait, hein, ou peut-être qui habite même loin de vous, hein, je ne sais pas si c'est une distance réelle, mais c'est quelqu'un qui s'est mis à distance, en tout cas. Et on voit qu'il y aura une réconciliation avec cette personne, hein, et c'est. Et vous débuterez quelque chose d'autre avec cette personne. Il y aura un début, hein. Pour certains, il y aura même, voilà, il pourrait même y avoir même jusqu'à un enfant. En tout cas, vous allez commencer quelque chose avec cette personne et il y aura une belle déclaration d'amour. Donc, pour moi, vous avez eu quelqu'un à un moment, hein, qui a été, ça a été très très fort, hein. Mais je pense que ça a dû s'arrêter parce qu'on voit des doutes, on voit des blessures. Il y a un retour. En tout cas, c'est quelque chose qui a été une grande passion, hein. On voit qu'il y aura des projets de déménagement, hein, avec cette personne. On voit que c'est très harmonieux, mais voilà, on voit qu'on a des regrets, hein. C'est une histoire du passé. Donc, ça a parlé aux lions qui ont une histoire qui a déjà commencé. On voit que ça a sûrement été dans une histoire d'infidélité, hein. C'est quelqu'un qui vous a séduit. Donc, pour moi, c'est voilà, c'est des lions qui ont eu une relation extra-conjugale avec quelqu'un que ça s'est arrêté, je pense, et qui c'est quelqu'un qui s'est mis en retrait, mais qui vous aime sincèrement, en tout cas. Hein. Il y a une déclaration d'amour. On voit que c'était très fort, mais je pense que vous avez, voilà, c'est quelque chose qui a dû s'arrêter, je pense. Puisqu'on voit une certaine blessure en vous, et même des doutes. Peut-être des doutes sur le fait qu'il revienne, mais pour moi, il y aura bien une réconciliation avec cette personne. C'est vraiment une passion, hein. C'est très très fort, hein. Donc, on va aller voir ce que ça me dit avec le deuxième oracle. Hein. Donc, le premier, j'avais fait le Mystic Garden. Et le deuxième, avec l'oracle d'Annabella. Pour l'oracle d'Annabella, on me dit qu'il y aura quelque chose qui va s'arrêter, hein, de toute façon. Alors, pour certains, il y en a peut-être qui vont se séparer, qui vont divorcer si vous êtes engagé. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe et il y a un avant et un après. Voilà, ça peut être soit une séparation, soit. Il y a quelque chose qui se passe, c'est assez soudain, enfin. Ça va aller vite, on va dire. Et on voit qu'il y a le soleil après. Donc, il y a une situation qui s'arrête. On voit qu'il y a la réalisation de certains projets quand même, hein. On est fidèle à nos idées,
Voilà, on est loyal par rapport peut-être à cette personne. En tout cas, on voit bien qu'on va s'ancrer. On voit qu'après, il va y avoir de toute façon un rendez-vous avec cette personne. On voit que la personne de votre cœur, on va faire la fête. On va avoir un rendez-vous amoureux. On va avoir. Voilà. On voit que c'est un lien profond. Hein. Vous êtes d'attachement entre vous. Hein. C'est vraiment un amour réciproque. Mais on vous demande de patienter par contre. On voit une personne brune, sûrement une femme, je pense. Voilà, il y a quelqu'un qui lui manque, ou vous manquez à cette personne. On me dit aussi, pour le moment, vous êtes dans l'isolement, vous êtes seul et vous êtes complètement perdu. Hein. Vous êtes dans le brouillard, complet, vous n'allez pas avoir vos réponses. Et on me dit que de toute façon, vous êtes en fin de cycle. Donc ça va bouger dans quelques temps. Encore un petit peu de temps, dans quelques semaines, voilà, il va se passer des choses. On me dit qu'il y a peut-être un homme plutôt clair, aux yeux bleus, mais ça, c'est pas. Obligé pour tout le monde, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on me dit que de toute façon, il va falloir passer à l'action. Hein. Ça va être le bon moment pour passer à l'action avec cette personne. On me dit que c'est vraiment quelqu'un qui a des sentiments amoureux pour vous. On vous dit que bah, peut-être qu'il y a de belles choses qui vous attendent, hein, mais on voit que c'est après une séparation. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui se libère, quelqu'un qui va se libérer. Et après, on voit qu'il y aura de belles choses qui vous attendent. Donc, ça va parler surtout aux lions qui sont engagés, je pense. On me dit bah, que vous êtes fatigué, vous n'y croyez vraiment plus. Hein. Il y a des doutes, il y a un manque de motivation. Vous n'arrivez pas à concrétiser certaines choses. Il faut peut-être modifier certaines choses chez vous. Et on me dit bien hein, qu'il y a, pourtant, c'est la personne, vous êtes sur la clé de votre destinée. Et c'est peut-être, il y aura peut-être même un déménagement ou un emménagement pour certains. Donc pour moi, j'ai l'impression que des lions sont dans l'attente de quelqu'un avec qui ils ont eu une aventure. Peut-être que ces lions étaient engagés. Hein. Pour ceux à qui ça parle, je pense qu'il y en a certains qui vont se séparer avec la personne avec qui ils sont engagés réellement. Et je pense que voilà, après, vous manquez à quelqu'un d'autre et il y a quelqu'un d'autre dans votre tête et dans votre corps, cœur, pardon, dans votre corps, dans votre cœur. Mais pour moi, il y a le retour de quelqu'un. Par contre, il va falloir patienter encore un petit peu, mais c'est vraiment quelqu'un avec qui vous pourrez emménager. Donc voilà ce que j'ai vu avec les deux premiers oracles. On va aller voir avec les autres, hein, si ça vous parle mieux. Hein. Peut-être que ça parlera même plus aux célibataires d'ailleurs. Puisque c'est vrai que le Mystic Garden parle souvent aux relations qui sont triangulaires. Hein. Et puis. Eh ben, l'oracle d'Annabella nous parle soit d'une histoire différente, comme je dis tout le temps, ou ça peut être la suite de cette histoire. Donc, on me parle de. Eh ben, on me dit qu'il y a. Vous avez un amant, un admirateur, en tout cas. Hein. Il y a un homme, hein. C'est un amoureux. Donc, on vous dit que, ben, voilà, hein, que cette personne, elle vous aime. Hein. Il y a bien quelqu'un pour vous. On me dit par contre, chut, motus, silence. Alors, soit cette personne est dans le silence, soit c'est vous. Alors, ça, il y a un conseil pour vous. C'est-à-dire que pour le moment, eh ben, peut-être que voilà, on vous conseille peut-être de vous taire, peut-être de vous méfier aussi des personnes autour de vous. Si ça a été un amant, évitez de le dire à tout le monde, soyez assez discret. Faites attention à qui vous en parlez surtout. Et on me dit bien que quand je vois cette carte, ça veut dire que bah, évitez de le harceler de messages. Ce qui doit se faire, va se faire. Donc c'est quelqu'un que vous pouvez faire reculer en lui posant des questions, vous voyez. En gros. Voilà, faites attention à ce que vous dites. Puisque ça peut être, voilà, si vous lui envoyez énormément de messages, c'est quelqu'un que vous pourrez faire fuir. On vous dit qu'il faut rester optimiste aussi, hein, rester dans l'ouverture de cœur. Soyez optimiste, il y a de belles choses qui vous attendent. Et on me dit, pardon, libération, réconciliation. Donc, voilà. Donc, je pense que pour certains lions, il y a une réconciliation avec une personne de votre cœur. Hein. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, une personne, il y a un amant, une maîtresse, quelqu'un comme ça avec qui, voilà, je pense que vous êtes en froid, il y a peut-être un silence radio entre vous. En tout cas, on voit bien que, enfin, même si vous n'y croyez plus, il faut être très optimiste parce qu'il y a vraiment une réconciliation. On l'a vu là, je l'ai vu là, il y a quelqu'un qui s'était retiré, et on voit bien qu'il y a une réconciliation. Donc pour moi, il y a une réconciliation pour vous, les lions. J'ai tiré aussi quatre cartes avec le chakra du cœur. Donc avec le chakra du cœur, je vous ai tiré n'écoute pas les autres. Alors n'écoute pas les autres.
dire ce que ça veut dire. Hein. Déjà, vous, on vous avait conseillé de garder le silence, mais surtout là, on vous demande de ne pas écouter les autres. Donc, il y a toujours un ami qui vous veut du bien, hein, mais le problème, c'est que, voilà, écoutez plutôt votre cœur, plutôt que, écoutez-vous, plutôt que vous écoutez les autres. On me dit aussi répétition des schémas. Donc, il y a une situation, voilà, qui perdure, qui est pas très confortable, en fait, pour vous. Hein. C'est quelque chose, c'est une situation que vous connaissez déjà, qui peut se répéter. Et on me dit qu'après, il y aura du bonheur. Pour vous, il y a une énergie de bonheur qui arrive. Hein. Donc, c'est pour ça, il faut vraiment que vous gardiez espoir. Et par contre, je vous ai tiré, tu n'es pas prêt. Donc, vous n'êtes pas tout à fait prêt. Alors, peut-être que vous êtes engagé, qu'il faut déjà vous libérer. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a un... J'ai une sensation qu'il y aura bien une réconciliation, mais voilà. Ce n'est pas pour tout de suite. On vous l'a dit déjà, hein. D'ici quelques semaines. Vous êtes en fin de cycle, de toute façon, ça va bouger. Mais pour le moment, voilà, c'est... Vous n'êtes pas tout à fait prêt encore. Il y a beaucoup de doutes. On vous demande de patienter, mais c'est vraiment quelqu'un qui vous aime sincèrement. Même si vous en doutez, c'est vraiment quelqu'un qui éprouve les mêmes sentiments que vous à votre égard. Donc après, j'ai voulu vous tirer trois cartes de travail parce que je trouve que le travail peut être important dans une relation amoureuse. Donc, entre autres, hein. Donc, que vous soyez célibataire ou pas, hein, on me dit que vous pouvez avoir... Faites attention aux accidents de travail. Hein. Vous faites peut-être un travail dangereux, mais attention, il peut y avoir un accident. Donc, méfiez-vous au travail, hein, un million. On me dit aussi que vous avez... voilà, il y a un certain... en ce moment, vous avez... c'est génial, vous développez personnellement. En fait, vous avez davantage confiance en vous, hein, et vous pouvez atteindre de nouveaux sommets dans votre carrière. On le sent, la confiance en soi qui devient plus importante. Donc, si vous doutez en amour, je pense que vous ne doutez pas vraiment au travail, en tout cas. Et on voit bien que vous avez voilà, une bonne collaboration. On voit bien qu'il y a un bon esprit d'équipe. Il y a des bonnes relations au travail. Hein. Vous êtes, voilà, donc vous êtes dans une collaboration efficace et vous entendez bien avec les autres. Cela vous permet d'atteindre vos objectifs facilement. Donc, vous voyez, il y a vraiment, voilà, il y a une bonne ambiance au travail. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est à, voilà, gare, à ceux qui peuvent avoir un accident de travail. Hein. On voit que c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, après, je vous ai tiré quand même trois cartes de la messe. Voilà. Qu'aimerait vous dire en fait, la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Si elle pouvait vous le dire sincèrement, qu'est-ce qu'elle a dans la tête par rapport à vous? Donc, elle dit j'écoute trop les autres. Alors, vous aussi, on vous dit de ne pas écouter les autres, mais elle aussi, elle écoute trop les autres. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui se mêlent de votre affaire. Elle vous dit quand même qu'elle éprouve un fort désir pour vous. Et elle vous dit j'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Donc, voilà ce qu'elle aimerait vous dire. Dans quelle énergie elle est, c'est ça. Je vous ai tiré aussi 6 ou 7 messages de tout ce qu'elle aimerait vous dire, tout ce qu'elle a au fond de son cœur, hein, parce que là, c'était un peu les autres petits messages, c'était surtout les énergies, mais c'était aussi quelque chose qu'elle pensait par rapport à vous, mais là, c'est vraiment, on est connecté avec son cœur, donc qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, hein? Ben, déjà, elle souhaite votre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. Des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Bon, c'est quelqu'un qui veut se réconcilier, comme je vous ai dit tout à l'heure. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Bon. J'ai envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Bon, c'est quelqu'un qui a envie de bonheur avec vous. C'est quelqu'un qui, pour le moment, vous dit non. Je dis bien pour le moment. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Vous voyez, c'est vraiment une question de temps. Pour le moment, vous êtes dans le négatif. Il y a quelque chose là, mais on voit qu'il y aura une réconciliation. Puisque cette personne a l'envie, mais elle ne le fait pas pour le moment. Mais elle en a l'envie, en tout cas. Donc on voit bien que voilà, un million, ne perdez pas espoir, hein, il y aura un retour.
C'est quelqu'un qui vous dit qu'il ou qu'elle se sent perdu. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus à ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Voilà, c'est quelqu'un qui est complètement perdu, qui écoute trop les autres d'ailleurs, hein. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous, j'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages, j'ai besoin de te ressentir pour agir, tu es ma source, mon inspiration. Et c'est quelqu'un qui vous dit pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, car je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Donc bon, c'est vraiment quelqu'un voilà, qui a envie de réconciliation au fond de son cœur avec vous, hein, qui s'excuse, qui vous demande pardon, qui a besoin de vous. Mais on voit qu'il y a quelque chose pour le moment, c'est non. Mais voilà, ne perdez pas espoir, même si vous avez beaucoup de doutes, on voit bien qu'il y a quelque chose, c'est vraiment un amour fort quand même entre vous, hein, on a vu, hein, ça a été un coup de foudre, ça a été très fort, voilà, c'était une évidence, hein, donc écoutez, laissez faire le temps, à Million, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, du retour de quelqu'un, pour moi, oui, il reviendra. Alors, quand je dis entre le 1er et 15 novembre, comme je dis tout le temps, c'est une énergie, hein, ça ne commence pas le 1er et ça ne finit pas le 15, ne l'oubliez jamais. C'est vraiment, ça doit vous parler en cette période-là. Donc, si ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber, comme je dis tout le temps. Mais sinon, voilà, c'est pas obligé qu'il va arriver le 15 ou 16, hein, non plus, hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui y pense en tout cas. Donc si vous êtes séparé de quelqu'un, vous espérez le retour, quelqu'un avec qui ça a été très très fort pour vous, c'était une évidence, on vous dit juste de patienter. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous aime et qui reviendra. Voilà, Million, j'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, si vous avez aimé, ben, pensez à mettre un j'aime et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fera énormément plaisir. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.